Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Dégagé, El Hacham qui passe au derrière, il va s'entrer maintenant. Pas le contrer, par Omiragic, c'est bien. Ferry qui la ressort pour Tavari qui a du champ. Allez Moussa, qui a un peu de champ maintenant, sans canter la table. Montée à grandes enjambées de Mekarili, encore Adam c'est là, Ferry aussi, la frappe de Tavari qui va donner maintenant à Mekarili, le centre de Mekarili, le plan du pied, la bête, la bête à la Ferry, le but, le journal Ferry, ouais, le but incroyable, c'est Sébastien sur le centre de Mekarili, le but exceptionnel de journal Ferry, c'est son premier but de la saison, il marque une fois, toutes les années bissextiles, journal Ferry qui ouvre le score, pour le Montpellier Héros, exceptionnel sur ce centre de Lucas Mekarili à la 71e minute. Ferry, qui n'est pas toujours à la fête, ça n'est pas un buteur patenté, mais là le numéro 12 du MHSC ouvre le score, c'est inespéré, c'est magnifique. On s'est demandé quelle équipe allait craquer la première. Eh bien, ce sont les Normands qui craquent les premiers. Ce but de Jordan Ferry, nous avons un corner pour nous. Si on marque sur corner, je dégoupille, hein, je vous le dis de suite. On dégoupille tous ensemble si on marque sur corner. Il est bien tiré par Savagne Mafoy, devant le but, à la bête, à la but de Christophe Julien. Le but de Christophe Julien, ouais, le but exceptionnel de Christophe Julien sur le corner de Savagne. Il reprend le second poteau, ça va donc catapulte sous la barre transversale, 2-0 pour Montpellier. C'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est sublime, c'est formidable, c'est jouissif, c'est tout ce que vous voulez. Ah, ce but de Christophe Julien, il n'avait pas marqué lui non plus décidément, c'est la journée. C'est la journée des anniversaires après le premier but de la saison de Ferry. C'est celui de Christopher Julien à la 80e minute. Et là, c'est un gros coup de marteau sur la tête des joueurs de Lucas Elsner. C'est le deuxième but de Montpellier. Signé Christopher Julien sur le corner de TJ Savanier. C'est une énormissime opération réussie par le Montpellier Héros.